Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur une expérience sociale où je vais tout simplement demander à certaines personnes si ils veulent un drip ou un pixel, mais en échange ils doivent quitter leur case cœur. Voilà, donc juste avant de me lancer dans cette expérience sociale, je tiens quand même à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Nostell. Je vous mets du coup la bande-annonce de la nouvelle extension du jeu. Je vous invite aussi à télécharger le jeu. En plus, il est gratuit, donc n'hésitez pas. Nostell est un jeu gratuit en ligne. On y joue dans un univers fantastique et super mignon. Regardez-moi ces paysages. Il faut créer ton personnage et là, tu peux choisir parmi plusieurs classes. Tu peux aussi avoir des compagnons familiers qui sont vraiment, vraiment très choupis. Et pour ça, pas besoin d'avoir le PC de la NASA pour faire tourner le jeu. Donc c'est un énorme plus et du coup, tu pourras y jouer avec tous tes amis. Le jeu dispose d'une communauté active, des événements. Et d'ailleurs, une nouvelle extension est apparue, l'acte 7, qui contient la contrée des orques. Bon, ils ont pas l'air commodes, hein. On est d'accord, j'ai pas envie de me faire inviter à manger chez eux vu leur tronche, j'ai peur d'y être le dîner, mais il faut quand même les aider. Ils ont besoin d'aide contre un souci de taille, et franchement, il n'y a que toi qui peux les aider. Mais regarde-moi tous ces monstres. Entre la nouvelle zone à explorer, un système de runes à exploiter pour rendre tes armes encore meilleures, la possibilité de créer des tatouages pour de nouvelles compétences et de nouvelles quêtes, il y a de quoi faire et s'amuser. Et en plus, on peut même se marier dans le jeu. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, je tiens quand même à préciser par rapport à Nostell, c'est un jeu que moi, je joue. Donc, n'hésitez pas, on pourra se faire quelques petites sessions ensemble, que ce soit en live ou en dehors des lives. Voilà, n'hésitez pas à me le dire sur Discord si vous jouez à ce jeu. Et du coup, c'est parti pour cette petite expérience sociale. Donc, la première chose à faire, je pense, c'est d'abord acheter quelques drips, quelques pixels à offrir. Je vais quand même préciser que même les personnes qui vont refuser de quitter leur casse-cœur, eh bien je leur offrirai quand même un pixel ou un drip, c'est juste pour savoir comme ça. Il faut aussi se dire qu'une personne qui quitte sa casse-cœur, bah, il pourra se remettre de toute manière avec derrière, donc c'est pas dans le but d'être méchant ou quoi que ce soit, c'est juste pour rigoler un petit peu. Eh bien écoutez, la première chose que je vais faire, c'est d'aller dans le shopping et d'acheter tout simplement le... voilà, le sorte de boost pour payer 50% moins cher les objets, tout ce qui est les objets en Star Coins, voilà. Donc on va l'acheter, il coûte 25 diamants, bon ça va, je peux me permettre je pense. Et on va l'acheter, et du coup ça fait que pendant une heure tout ce que j'achète est à moitié prix. Donc on va acheter les choses à moitié prix, je vais pouvoir acheter deux fois plus de choses. On va en acheter quelques-uns, du coup c'est parti. Ok, je suis arrivée, du coup j'ai retrouvé le drip. Et on va prendre, je pense qu'on va prendre principalement des drips parce que c'est ce qu'on me demande vraiment le plus. On va en acheter vraiment plusieurs, hein. On va en acheter, hop, je pense qu'on va en acheter 10. Je pense que 10 c'est pas mal, ça va me revenir combien à 250 000 Star Coins. Bon ça va, c'est, on va à peu près une dizaine. De toute façon dans le pire des cas je pourrais en racheter, donc c'est pas bien grave. On va acheter tout ça. Bon, je crois que j'en ai acheté un petit peu plus que 10 parce que j'ai vu mon argent, il a défilé mais à une vitesse. Allez, un petit dernier pour la route, c'est pas bien grave. De toute manière, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec mes Star Coins, hein? De toute manière, qu'est-ce que je veux en faire d'autre que de vous offrir des trucs avec? J'ai déjà tout ce qu'il me faut dans le game, j'ai pas besoin de Star Coins. Bon écoutez, on va du coup juste acheter un haut parce que là les gens ils vont dire ah, elle a acheté des drips, elle porte un drip. C'est un petit peu chelou cette histoire. Et quand même ça j'adore, je trouve ça trop beau. C'est trop magnifique. Bon, ça va pas du tout avec mon look actuel, mais ça, tôt ou tard, je vais me l'acheter. Je vais me l'acheter à coup sûr. Là, je vais juste mettre quelque chose, un petit haut. Et franchement, on tient un truc. Bon, je vais l'acheter tant qu'à faire. Je suis à moins 50%. Donc, on en profite. On le prend. Et écoutez, c'est parti pour l'expérience sociale. On va trouver quelques petites personnes, les dernières petites personnes qui m'ont contacté dans les messages. Et on va leur dire, on va leur proposer. Je vais faire un petit message en copier-coller. Je vais le préparer pour l'envoyer. La petite phrase, elle est prête. Bon, il y a quand même une chose que je devrais vérifier, c'est si la personne a quelqu'un au casse-cœur. Hein, parce que si elle a la personne en casse-cœur, ça va être compliqué. Et du coup, je sais pas si c'est genre instantané, la casse-cœur, si ça, comment dire, si ça apparaît tout de suite ou pas. On est
tomber sur quelqu'un qui a quelqu'un en casse-cœur. Alors, Miss Silou, on va lui demander. Et du coup, ça donne ça. Hello, ça va, si tu quittes ta casse-cœur, je t'envoie un drip. Allez, mon dieu, je sors la vidéo pour elle, on va pas lui envoyer si on est, sinon on est cramé, mais j'ai quand même envie de lui envoyer pour voir, juste pour rigoler. En plus, elle a quelqu'un en casse-cœur. Ah là là, je me demande que tu me réponds. Bah attendez, on va envoyer un message à Salmini, on va aller voir. Elle a pas de casse-cœur. Oh, quand je t'aime trop, ça fait très longtemps que je me suis fait piracher depuis que je ne suis plus retournée sur MSP. Tu peux m'aider, ça me ferait tellement plaisir que tu me réponds. Bah du coup, vu que c'est assez long à répondre en message, j'ai vu comment je bug, je préfère le dire en vidéo. Je ne peux pas vraiment vous aider à récupérer vos comptes. Je ne travaille pas chez Movistar Planet, du coup c'est un peu compliqué pour moi. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est directement de contacter MSP. Alors, bon shopping. Ah oui, c'est vrai, les gens, ils ont vu le moins 50 que j'ai acheté. Oh, on avait un encouragement de Blockstar Planet. Alors coucou, ça va, avec le peu de chance que j'ai, si tu me réponds, c'est un miracle. Bon, attends, j'allais lui envoyer, mais je sais même pas si elle a quelqu'un en casse-cœur. Oui, elle a quelqu'un en casse-cœur. Allez, c'est parti. On va lui envoyer. Alors, elle me dit, ok, ma quinzelle, mais je sais pas si Queen... Et d'accord, bon, franchement, c'est très sympa de sa part de quand même de se demander si sa personne, elle est d'accord. Donc, bon, je rappelle que, voilà, les personnes, si elles quittent ou qu'elles quittent pas, je leur offre quand même le drip. Voilà, quand je demande de quitter quelqu'un, c'est pas définitivement. Après, vous pouvez bien évidemment vous remettre en casse-cœur avec. Y a pas de souci. Bon, j'espère que ça va pas créer des tensions, mais bon, hein, si vous l'expliquez, voilà, c'était pour un petit défi. Mais en tout cas, elle l'a enlevé. Est-ce que c'est... Ouais, elle a vraiment enlevé. Bah, on va lui offrir. On va lui offrir, bien évidemment. On va lui offrir. Vive le chargement. On adore. Allez, on envoie te remettre en ami avec elle. C'est un petit défi en vidéo. Voilà, je vais lui expliquer quand même pour qu'elle comprenne que c'est pas méchant, quoi, hein, vraiment. Ok, on va voir Lolilo. Alors, non, désolé, tu filmes et j'ai assez pour acheter un drip. Donc elle veut pas, c'est bien aussi, on va quand même lui envoyer un drip parce que comme j'ai dit, j'envoie quand même un drip même si les personnes elles veulent pas. Allez, on envoie le petit drip. Et le drip est envoyé. Mais je pense qu'elle, elle m'a cramé, hein. Elle sait que je suis en train de faire une vidéo. Coucou YouTube et abonnez-vous. Oh ça va, elle le prend pas mal, on lui envoie un cœur. Franchement, envoyez plein d'amour à Miss Filou, trop sympathique. Ok, tu filmes pour un concours, je suis sûre, désolée si je me trompe, pas loin. Alors, est-ce qu'on va lui demander... Attends, est-ce qu'elle a quelqu'un en casque? Est-ce qu'on va lui demander... Mais je suis cramée, en fait. Je suis cramée. Ça, c'est à cause du moins 50%. J'aurais dû le faire et j'aurais dû attendre un petit peu avant de filmer, je pense. Mais bon, hein, c'est comme ça. Hein, bah. On va rien dire. Voilà, on lui envoie quand même le message. On va voir un petit peu sa réaction, même si elle doit se dire « je suis en vidéo ». D'ailleurs, ça peut être aussi sympathique de se dire quand la personne, elle sait que je suis en train de filmer. Est-ce qu'elle va quand même faire le défi ou pas, parce que ça peut changer un petit peu la donne. Alors, il y a Sacha qui nous a envoyé... Alors, je vois qu'elle a une casque. Il y a Sacha qui nous a envoyé un autographe. On va lui envoyer le petit message. Je vois que j'ai beaucoup de VIP qui m'ont contacté. On va essayer de trouver des personnes peut-être non-VIP. Pourquoi les non-VIP, ils me parlent pas, là, aujourd'hui? Je vais offrir des VIP. Happy Halloween, tout ça, voit sa chaîne. Oh, elle est trop mignonne, cerise. Alors, on va lui envoyer un... Ouais... Je sais pas, ça fait 30 minutes qu'elle m'a contactée. Je vais sortir un petit coucou juste pour voir si elle est là. Pour prendre la température. Parce que bon, j'ai pas envie d'envoyer un message à des messages. Ça fait trop longtemps qu'ils m'envoient. Ils sont peut-être plus connectés. Et s'ils voient le message genre demain, ils vont quitter leur casque-cœur. Et peut-être qu'à ce moment-là, bah, vu que je serai plus en vidéo, je verrai pas le message. Donc ça me fait un petit peu peur. Donc on va plutôt envoyer aux personnes qui... Bah écoutez, je vais me découvrir. On va déjà faire ça. Comme ça, les gens vont revoir me connecter. Il y aura peut-être de nouvelles personnes qui vont me contacter. Et bien on a eu la réponse de Chacha qui nous dit mais je peux pas, j'aime trop ma besta. Ok, bah y a pas de soucis, t'inquiète pas, je t'envoie quand même le drip. Mais voilà, on a quand même pas mal de réponses négatives par rapport à cette expérience. Du coup je suis allée regarder un petit peu maintenant. Désolée, c'est pas pour te gratter, mais je peux avoir un drip s'il te plaît. Et j'ai regardé, bon elle a pas de casse-cœur. Donc pour l'expérience sociale, ça va être un petit peu raté, mais bon, on va lui envoyer quand même. On va lui envoyer un petit dripounet quand même, hein, parce que bon, ça l'aidera pour monter ses petits niveaux. Allez, hop, c'est parti, j'ai encore pas mal de drip aussi. Bon, j'en ai acheté pas mal hein, quand même, finalement. Là, je vois qu'il y a une personne qui n'est pas du coup quinzelle. Coucou, tu vois bien, bah, ça va très bien, et toi, Nelly? On va regarder. Bon, elle a pas de casse-cœur. Elle a pas de casse-cœur. On va lui envoyer un petit drip, hein, on se transforme en quinzelle Noël. Allez, quinzelle Noël, on envoie le petit drip quand même.
Bon, je suis partie dans une discussion un peu chelou avec Bon Mignon, qui me dit qu'elle veut manger. Je lui dis, bah mange du pain. Elle me dit, tu sais quoi, je vais dire à ma maman, elle me dit de manger ma main, et ma mère a rajouté, garde l'autre pour demain. Je fais quoi? Du coup, j'ai dit, bah je sais pas si c'est bon, une main. Enfin, ouais, j'ai écrit un peu vite. Une main, attends, on va juste, hop, marquer main comme ça. Tu me diras, effectivement, je n'ai jamais mangé ma main. Je ne sais pas si c'est appétissant ou pas. Mais en tout cas, bah écoutez, on n'a pas eu de réponse. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai envoyé quelques petites drips à droite, à gauche, même aux personnes à qui il n'avait pas de casqueur, comme ça, juste histoire de donner quelques drips. Il m'en reste encore quelques-uns et j'en rachèterai certainement encore, parce qu'il me reste encore moins 50% pendant une bonne demi-heure. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires des idées pour d'autres expériences sociales. D'ailleurs, merci beaucoup, parce que cette idée d'expérience sociale, elle m'a été donnée sur Instagram quand j'avais posé la question dans une de mes stories. Vous avez été très nombreux à me donner de superbes idées d'expérience sociale, donc attendez-vous à ce qu'il y en ait plusieurs ces prochaines semaines. Et bien écoutez, moi je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous, ciao ciao.